entier. Maman, je suis dehors en train de faire la lessive. Dois-je venir? Ah, tu me demandes si tu dois venir? Je vois que tu n'es pas du tout normale. Maman. Donc, comme tu fais la lessive, c'est à moi de te retrouver dehors, c'est ça? Maman, désolée. C'est ça? Désolée, je te demandais si je dois venir. Je vois que tu me cherches dans cette maison. Pourquoi mets-tu un enfant nu sur ma chaise? Sans toutefois lui mettre des couches. Hein? Maman, je suis désolée. Le ventilateur de notre chambre ne fonctionne pas très bien. La température de mon bébé était très élevée. Alors, j'ai décidé de l'amener au salon pour qu'il puisse prendre un peu d'air et que sa température puisse diminuer. Tu es malade? Si la température de ton bébé est élevée, tu n'as qu'à l'amener à l'hôpital. Ici, ce n'est pas une clinique. Est-ce que tu m'entends? Tu le fais coucher là-bas sans toutefois lui mettre des couches pour que mes chaises sentent les urines. Et maintenant, si je parle, on va dire que je suis méchante. Cesse de me provoquer, oh. Je risque de battre ton enfant. Tu sais que je m'en fous, non? Maman? Ogini, qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas cette stupide fille qui dit être ma belle-fille? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle s'en va porter un bébé nu et le poser sur ma chaise, hein? Sans même lui mettre une couche. Amouche, tu es stupide? Ce n'est pas ça, Ada. La température de Timobi est élevée. Et ma chaise est une clinique? Hein? Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que tu mets un bébé nu sur la chaise? Sans couche, oh. Pour que son bébé urine sur ma chaise. Tu es très stupide. Tu es très stupide. Je ne cautionne pas ça. Tu es très stupide. S'il te plaît, je ne veux pas que l'attention de ma mère augmente. Je ne te permettrai pas cela. Respecte-toi. Pourquoi nous regardes-tu? C'est quoi ce regard? Allez, va enlever ton enfant sur ma chaise. Après, dégage. Tu vas dire qu'on t'insulte. Pourtant, tu n'arrives pas à user de bon sens. Va vite enlever ton enfant là-bas. Une femme stupide comme ça, imbécile. Maman, calme-toi, c'est fini. Regarde comment elle lave les habits. Yeah. Juste comme ça, sans savon. Et pas de savon. Elle va dire à mon frère de lui acheter du parfum, gaspiller son argent. Alors qu'elle ne sait même pas laver les habits. Hi. Nana, j'espère qu'il n'épousera pas une femme Dieu comme elle. Dieu l'en préserve, Dieu l'en préserve. J'espère vraiment que ce ne sera Dieu pas... Dieu l'en préserve, Dieu l'en préserve. Il faut la surveiller. Je t'assure, on ne sait jamais avec cette idée. Tu as raison, je t'assure. Ça va. Tu sais que je déteste quand tu pleures. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à ta mère et à tes sœurs pour mériter ce traitement qu'elles me font subir? Quel est mon crime? Quoi? Imagine Kada. Imagine Kada, qui est plus jeune que mon petit frère Ibuka, a le courage de me traiter d'imbécile, d'idiote, de stupide. Pourquoi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi me font-elles subir ça? Est-ce parce que nos affaires ne marchent plus bien et qu'on a dû revenir au village? Pourquoi est-ce qu'elles me traitent de cette façon? Seigneur, Seigneur, tout va bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok. Mais que seule ta volonté s'accomplisse. Ça va. Que ta volonté s'accomplisse. Ça va. Qu'elle s'accomplisse, Seigneur. Ça va. Viens. Ça va. Ça va. Ça va. Tous les jours, elle ne cesse de m'insulter. Elle m'insulte constamment. Depuis que nous sommes revenus, je n'en peux plus. Ça va. Je suis fatiguée. Ça va. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Ça va. Ça va. Ça va. Donc, mère, c'est pas parce que tu n'aimes pas ma femme. Tu restes notre mère. Ne laisse pas cette abomination impunie. Tout ça parce que tu n'aimes pas Amouche? Non, maman, dis-moi. De quel droit Ada appelle ma femme stupide femme? De quel droit? Stupide, oui. Tu dis? Quand? Tu demandes quand? Comment? C'est à moi que tu parles. Hein? Comment? Bête, maintenant, je crois que... Hein? Tu vois cet Amouche? C'est l'un des anges déchus. Quoi? Ces anges que Dieu a chassés du ciel. Excuse-moi. Je dis la vérité. Maman, excuse-moi. Ah ah. Maman, tu sais que je te connais. On se connaît. Mais comment? Pourquoi fait-elle tout pour détruire ma famille? Pourquoi fait-elle ça? Maman, je te connais. Je te connais très bien. J'ai pas besoin d'être là pour savoir ce que t'es capable de faire ou pas. Je sais. Et je sais d'où la malbouche de ma sœur vient. Je sais. Oui. Mais c'est quoi tout ça maintenant? Moi, je ne sais pas de quoi donc tu parles. Donc maintenant, tu sais pas. Je ne sais pas. Tu sais pas.
Maman, maman, je le dis encore, ça suffit. Ça suffit. Ça... Hé, hey, toi, arrête-toi. Arrête-toi. Maman, là. Oh. Dépose ça. Non, maman. Tu bouges, Fanny, s'il te plaît. Reste là. Tiens-toi là. Bon. Qu'est-ce que t'as dit à ma femme? Je ne lui ai rien dit. T'as rien dit? Oui. T'as rien dit? Oui. Ok. T'as donc rien dit. Maintenant, écoute. Chaque fois que tu vas ouvrir ta petite sale grosse bouche et insulter ma femme, hein, je vais te frapper. Si elle insulte ma mère, je vais l'insulter. Je ne permettrai ça à personne. T'as dit quoi? Tu viens de me répondre. Laisse-la, laisse-la, Ifeani Chukwu. Je te parle. Laisse-la, laisse-la tranquille. Ifeani Chukwu. Ifeani Chukwu. Parle. Ifeani. Parle. Ifeani Chukwu. Parle, non. Amoutier a commencé à s'aimer la mauvaise graine dans cette famille. Ton grand frère m'a presque... Il m'a presque battu aujourd'hui. Il m'a presque tué. Il ne prend plus soin de moi. Encore moins de tes sœurs. Oui, je souffre. Oh, mon fils. Maman, ça va, ça va. Merci, mon fils. Merci, Amoutier. Amoutier, Amoutier va me tuer. Maman, ça va, ça va. Oh. Ok, mon fils. C'est Ada. C'est Ada. Attends, attends. Adama, tiens. Il fallait voir comment grand frère a poussé maman sur la porte. Maman est tombée par terre. J'ai mal à la tête. Maman, ça va. Elle a même cogné sa tête. C'est comme ça qu'il nous maltraite ici tous les jours. Maman, ça va. Ça va. Dieu, regarde tout le monde. Maman, ça va. Ok, ok. Merci. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il va rappeler. Adam, tu es en train de te régaler. Ah ah, c'est bon, ça va. Je sais que tu es très fâché contre moi. Je suis venue te présenter mes excuses. Tu sais combien ton frère t'aime. Et pour ce qui s'est passé hier, ce n'était pas son intention de te gifler. C'est juste parce qu'il était fâché. Et tu sais que la colère n'est pas une bonne chose. Il t'aime. Et je t'aime en tant que belle-sœur. Et je te demande encore pardon une fois de plus. S'il y a quoi que ce soit qu'on a fait qui t'a offensé, on en prend tout le blâme. Nous sommes désolés. Tu sais qu'il m'aime, mais tu veux qu'il me haïsse? En ajoutant le feu. Amoutier, respecte-toi, ok? Respecte ton vieil âge. Respecte-toi pour que la foudre ne te frappe pas. Évite-moi, je ne suis pas ton ami. On ne pourra jamais être amis. Laisse-moi tranquille. Dieu nous regarde. Quand je suis dans mon coin, c'est toi qui viens toujours me chercher. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas ton amitié. Ok. Maman, s'il faut faire ça, elle doit se lever très tôt pour le faire. Moi, je dois aller quelque part. Maman, hein? S'il te plaît, va prévenir Amoutier. Va prévenir ta belle-fille. Qu'a-t-elle fait? Cette idiote est venue à la cuisine me supplier. Pourquoi? Non, pourquoi? Elle est fatiguée. Fatiguée de quoi? Quand la bataille n'a même pas encore commencé. Hein? Ah, qu'elle garde son énergie. Ou elle va continuer à supplier pour le reste de sa vie dans cette maison. Je ne lui pardonnerai jamais. C'est à cause d'elle qu'Ifeani m'a tapé. Je ne lui pardonnerai jamais et je n'oublierai jamais. Maman, connais-tu le dicton populaire qui dit qu'un prophète n'est jamais apprécié chez lui? C'est la vérité, car avant que cette fille n'entre dans cette famille, maman avait déjà prophétisé qu'elle viendrait dans cette maison, créer la confusion dans notre jolie petite famille. Regardez-moi. Elle a déjà commencé. Oh oh. Ah,
Maintenant, on en parle. N'avais-je pas prophétisé cela? Il ne t'a pas écouté? Ça n'arrivera jamais. Amen. Tant que je suis en vie. Amen. Maman, je suis à 100% derrière toi. Vraiment. Ne t'en fais pas, je vais à l'église. Si je n'y allais pas aujourd'hui, j'aurais vraiment... S'il te plaît, tais-toi. Quelle église? Je suis pas content. Je suis pas content. J'ai pas frappé cette fille comme j'aurais dû la frapper. Je suis en colère, je suis pas content. Je suis pas content. Non mais, c'est quoi tout ça? Non. Je suis pas content. Je suis vraiment pas content. J'aurais dû bien la frapper. Quoi? Oh Bim, à quelle fin? À quelle fin? Je m'attendais à ce que tu leur parles de ma part pour qu'on commence enfin à vivre comme une famille. Pourquoi? Tu n'aurais pas dû gifler Ada. Laisse-moi te clarifier les choses. Mon amour, en le faisant, tu empirais les choses pour moi. Comment? En giflant Ada. Bébé, tu dois t'excuser auprès d'elle. Hein? M'excuser chez qui? Moi, m'excuser chez Ada. Moi, m'excuser chez Ada. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Mon amour, s'il te plaît. Non. Écoute, ne m'oblige pas à t'inclure dans ma colère. Ni à m'énerver sur toi. Tu comprends? Voici ce que tu vas faire. Et puis, oublie le pardon. Oublie ça parce que je les connais. Tu ne feras rien qui sera bien pour eux. Tu les oublies parce que je sais que quand Dieu va nous relever, et je ne dis pas si, dès que Dieu nous permet de nous relever, on leur laisse ce village. C'est ça. Mon amour, je sais. Je sais que nous serons à nouveau bénis par Dieu. Mais je veux que tu penses à ma sécurité et celle de notre enfant. Si tu pars de cette maison, il n'y aura plus que moi et le bébé. Oh oui, elles peuvent nous faire du mal, elles peuvent nous faire tout à dessus. Qu'elles essayent. Laisse-les te toucher. Je veux qu'elles te touchent, qu'elles essayent. Pardon, j'ai peur qu'elles nous fassent du mal. Je veux vivre en paix. Je ne veux pas les problèmes. Pour l'amour de Dieu, je te supplie, excuse-toi auprès d'elles. S'il te plaît, ne m'oblige pas à t'inclure dans ma colère. Vraiment, s'il te plaît. M'excuser auprès de qui? Pourquoi? Pour l'avoir giflé. S'il te plaît. S'il te plaît, pour faire régner la paix, pardon. S'il te plaît, chérie. Toi aussi, chérie. S'il te plaît, oublie-les. Oublie ces gens. Oublie-les. Oh. Je ne peux pas te blâmer. Parce que je sais que tu fais tout ce que tu fais juste pour l'impressionner. Bon. Ça va. Je sais que tu ne vois pas tout cela avec tes yeux. Ce n'est pas avec des yeux ordinaires qu'on voit ça. L'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas cette fille, elle est diabolique. Hein? Mais ça va aller. Maman, s'il te plaît, je me suis excusé. T'as pas besoin de continuer de parler d'elle de cette manière, oh. Aussi. Et puis, je ne sais vraiment pas ce que cette fille t'a fait concrètement. Je sais pas. Avec tout le respect, maman, je sais pas. Hein? Qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire à toi? Tu retournes toujours ta colère contre elle. La première fois que t'as vu cette fille ici, t'as détesté tout ce qu'il y avait en elle. T'as dit qu'elle était trop mince, que son ventre était trop plat, qu'elle n'arrivait pas à me faire d'enfant. Maintenant qu'elle m'a donné un enfant, tu continues. Tout ce qu'elle fait, tu détestes. Ton cœur est dur, maman. S'il te plaît, maman, arrête un peu maintenant. De quelle paix est-ce que tu me parles? Comment puis-je aimer quelqu'un qui ne m'aime pas? Comment aimer quelqu'un qui m'insulte tous les jours? Que veux-tu que je fasse? Hein? Maman, c'est ok maintenant. Essayons d'oublier tout ça maintenant. Vivons en paix. Les problèmes que j'ai sont déjà trop nombreux. Et toi, tu veux encore ajouter tout ceci, s'il te plaît. Je ne rajoute pas tes problèmes. Mais je ne compte pas jouer aux hypocrites. Avec ta femme. Non, mon frère. Cette histoire va déjà trop loin. C'est trop pour moi. Ça va trop loin pour moi. Non, maman et notre sœur, vraiment, je peux pas supporter. Je peux plus supporter, c'est trop pour moi. Mais tu les connais, c'est problème sur problème tous les jours.
Je sais pas ce que ma femme leur a fait, je sais pas. Tu sais comment notre mère est, hein? Mais bien sûr. Nana, écoute, ne me dis pas que je suis sentimentale, vraiment, non. Ok, Nana. Tu te souviens quand ma femme était enceinte? Tu te souviens que quand elle était enceinte, maman a dit qu'elle venait de Mungo. Je lui avais donné l'adresse pour qu'elle arrive. Et elle est venue. Et maman, en 2 jours seulement, elle s'est rappelée qu'elle avait quelque chose à faire à Joss, chez son frère. Et qu'elle rentrerait 3 jours après. Les 3 jours sont devenus 6 mois. Maman n'est jamais rentrée. Jusque-là, ma femme a demandé que j'oublie. J'étais fâché, mais elle a dit que j'oublie. Jusqu'aujourd'hui, ma femme a tout essayé humainement possible pour que maman l'aime. Mais rien. Je sais pas ce que ma femme a pu faire à ces deux-là. Sérieusement, non. Écoute, le jour où Dieu me répond, le jour où il me répond, je te jure, le lendemain, je quitte ce village, je les laisse. Non, je prends ma famille et je pars d'ici. Toi, tu vis pas ici, tu sais pas ce qui se passe. Laisse-moi ça, je me connais, tu dis que je suis sensible, c'est ça? Laisse-moi ça, s'il te plaît. Si j'avais pas construit cette maison, où elles vivent, aurait-elle une maison aujourd'hui? Aurait-elle un endroit où poser la tête? Maintenant, je suis le fou. Non, il n'y a plus de respect maintenant. La dernière fois, Néhé m'a servi à manger. Non, j'ai juste demandé à Néhé de me servir. Ma femme n'était pas là. Néhé m'a servi avec un plat en plastique. Ça, c'est à quel point vraiment elle me méprise. C'est aussi bas que je suis maintenant. Si mes affaires marchaient, tu crois qu'elles auraient le courage de me traiter comme ça? Non, mais quand je vivais en ville, Néhé m'aurait parlé comme ça. Ces papayes sont bien mûres, mais les oiseaux viennent tout manger. Hein? Tu vois pourquoi je dis que tu es folle? Je te raconte mes problèmes. Je te dis que j'ai donné 1500 à ce bâtard pour qu'il me donne les réponses. Et il ne l'a pas fait, alors que les maths me dépassent. Écoute, hein, mon but est de réussir à cet examen. Et quiconque le diable utilisera pour me gâcher cela, je montre à cette personne pourquoi on m'appelle attention. Pardon, ferme d'abord ta bouche et calme-toi et espère la réussite. Comment ça espérer la réussite? Moi, je vois que je risque vraiment d'échouer. Ferme ta bouche. La femme de ton frère, comment elle va? Elle a fait ses gâteaux aujourd'hui, dis-moi. Tu sais qu'ils sont super délicieux, hein, mon ami? Tu es trop sale, surtout avec les choses qui vont dans ta bouche. Je ne comprends pas, que veux-tu dire? Depuis que tu me connais, tu m'as déjà vu acheter les gâteaux de la femme de mon frère? Non, c'est dis-moi. Vrai, je t'ai jamais vu manger ces gâteaux. Pourquoi? Très bien. Parce qu'elle utilise le seau où elle tourne la farine pour laver les couches de son bébé. Ça te dégoûte, n'est-ce pas? Amouché, je vais te nuire partout. Viens, calme-toi, ce n'est pas grave. Calme-toi, mon ami chéri. Calme-toi, hein? Ce n'est pas si grave. Bébé, si je me fâche, je vais te botter. Les gens vont me traiter de méchante personne. Pourquoi est-ce que tu as vomi sur mon habit? Méchant bébé, maintenant tu dors. Si je te gifle, maintenant tu vas... Méchant bébé. Regarde comment il est là-bas. Méchant petit garçon. Ada, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es aveugle? Pourquoi tu ne vois pas mes habits? C'est quoi avec Ada? Pourquoi? Mais Ada, ce n'est pas une raison pour poser mon bébé sur le sol. Hein? Après tout, ce n'est qu'un bébé. Pourquoi tu fais cela? Tu aurais dû m'appeler pour laver ou nettoyer ton habit, non? Je l'aurais fait, au lieu de poser le bébé sur le sol. Ce n'est pas bien. Amouché, tu es très méchante. Je t'ai aidé à porter ton bébé. Lui, il a vomi sur moi. Je croyais que tu allais dire que tu es vraiment désolée. Et toi, tu oses me dire, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien? Je ne t'en veux pas. Tu sais combien on paye les nounous? Par heure, certains prennent leur argent. Et moi, je suis là à porter ton enfant gratuitement. Tu n'es même pas reconnaissante. Tu vas me payer. Tu vas me payer comme tu es très ingrate. Tu vas me payer désormais. Mais c'est quel genre de bêtise, ça? Hein? C'est quel genre de bêtise, ça?
Je t'ai juste aidé à porter ton bébé. Maintenant, regarde mon corps. Ada, c'est trop injuste. C'est trop injuste. Mon bébé était en train de dormir et tu... Ah, ah, tu fais gaffe à tes paroles. Je vais les laver. Je vais les laver. Fais gaffe à tes paroles. Je vais les laver. Lave, ça va, je vais les laver. N'est-ce pas souvent moi qui lave tes habits? Laisse-moi tranquille. Hein? C'est quel genre de bêtise, ça? N'importe quoi. Méchant bébé. Telle mère, tel fils. Désolée. Désolée, ça va. Hey. Hey. Je suis sans voix. Hein? Comment elle peut maltraiter un bébé? Viens. Dépêche-toi. Oui. Dépêche-toi. Allons-y. Dépêchons-nous vraiment. Hey. Viens, viens. Dépêche-toi. Viens, viens. Dépêche. Hey. Hey. Oh, mon fils. Par ici, par ici. Allons, doucement. Non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Viens. Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. T'inquiète pas. Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Ça va aller. Y a pas de problème. Pas de problème. Dieu voit tout ça. Y a pas de problème. Pas de problème. Dieu voit tout ça. Vous entendez? Dieu voit tout ça. Pas de problème, pas de problème. Je te dis, t'es un cœur. De quoi est-ce que tu parles? T'es un cœur dur, je te le dis. T'es un cœur dur, trop dur. Je te le dis, t'es un cœur dur. Oui, oui, toi. La haine que tu as pour ma femme, tu l'as transposée à ton petit-fils. Oui. Tu préfères que mon fils meure pour que tu aies ta paix, n'est-ce pas? Y a pas de problème. Y a pas de problème. Ah, mais pourquoi est-ce que tu parles de mort, mon fils? Qui est mort? Dis-moi qui est mort. Et s'il mourait? Je ne t'ai pas entendu frapper. Écoute, hein? La nuit dernière, j'ai pris des comprimés. Et ils m'ont assommé, je te jure. Qui? Ainsi soit-il. As-tu entendu frapper? Je n'ai entendu rien du tout. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle n'a pas entendu frapper, moi non plus. Comment tu allais entendre? Tu n'étais pas là. Comment tu allais entendre? Je ne m'attendais même pas à ce que tu entendes. Remercie Dieu, hein? Que mon mari soit venu ici. C'est que tout ce que nous faisons là n'aurait même pas de sens. Vous m'entendez? Tout ça aurait été une autre histoire. Je vous jure. Mais tu vois Ada. Toi et Ada. Ah. Surtout Ada. Ada, chance qu'elle n'est pas là. Parce que ce qui est arrivé ici, pas de problème. Dieu vous voit tous. Vous trois, Dieu vous... Toi, surtout toi. Toi, Ada et toi, Ada et toi. Maman, pas de problème. Pas de problème. Remercie Dieu que mon Makwele soit venu. C'est tout. Mon pas fils, problème. Il s'est passé quelque chose. Pas de problème. Hein? Chance que rien ne soit arrivé ici. Moi, quand je verrai maman et Béré, je la remercierai. Oui, maman, on doit le remercier. Es-tu sérieuse? Oui, on doit le remercier. Sinon, le bébé allait mourir. Qu'est-ce maman, que tu racontes même là? Je n'ai rien entendu. On doit la remercier. Pour quelle raison? Tu es bien folle. Eh oui, maman. Hein? Tu es une très grande actrice. Personne ne peut me dire le contraire, maman. Pourquoi n'es-tu pas allée faire du cinéma depuis, maman? Tu caches ton talent, oh. Ne t'inquiète pas. Quand je vais me décider à jouer, je vais y aller. Oh, Nemo. Tu as raté, Ada. Hi. Tu as raté. Il fallait voir comment maman m'a presque convaincue qu'elle a pris des remèdes. Maman, tu as pris des comprimés? Quel genre de comprimés? Hey. Mais attends, est-ce qu'ils voulaient qu'on sorte courir avec eux partout? Comme des gens qui sont ma boule? J'ai la force. Je t'assure, ils savent que j'ai des examens. Je dois laisser mes examens pour aller les aider. Je suis malade. Hey. Mais la personne avec qui je suis fâchée, c'est ma mère Ikwere. Vraiment? Cette femme est tellement... Je ne sais pas. Son comportement est dégoûtant. Même si elle voulait les aider, elle aurait pu faire cela sans crier. Non, je t'assure. Cette femme... Maman, préviens-la, je vais l'insulter. Cette femme est une commère. Vraiment. Une commère reconnue. Vraiment. Cette femme te connaît plus que toi-même. Moi? Évitez-la. Évitez-la. Non, maman. Je vais insulter cette femme. Maman, non. On doit l'attaquer. C'est le bon moment pour l'attaquer. Avant qu'elle se mette à courir dans tout le village en disant que tu voulais laisser mourir ton petit-fils. On ne doit pas l'éviter. On doit l'attaquer, oh. Exactement. On doit attaquer cette femme. C'est elle qui doit m'éviter.
Donc, quand vous la verrez, dites-lui de m'éviter. Que j'aille lui dire maintenant? Laisse tomber. Non, ne t'en fais pas. On le fera. On lui passera le message. Maman, maman, je bénis Dieu d'avoir une mère comme toi. Nemo. Maman. Je suis d'accord. Maman. Une très belle femme. Merci Seigneur, merci Seigneur. Comme on l'a dit, on va être rusés. Vous comprenez? J'ai déjà de nouvelles tactiques pour eux. Toc, toc, toc. Je viens. Y a quelqu'un? Ah, qui avons-nous là? Tu es sûre de ne pas te tromper de maison? C'est ça. J'ai appris que tu es l'infirmière qui est venue chez moi jouer mon rôle pour mon petit-fils, juste pour être remarquée. Assez! Assez! Je ne te permets pas de venir dans ma concession pour m'insulter. Est-ce que tu as compris? Si tu jouais vraiment le rôle d'une belle-mère, ton fils ne serait pas venu me chercher jusqu'ici chez moi. Je ne suis pas venue ici pour savoir combien d'œufs ta poule a pondu. Je suis venue t'avertir. Reste loin de ma famille et de moi. Reste loin. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends. Donc, personne ne peut sauver ta pauvre belle-fille de ta méchanceté. Wow. Maman. Mais une chose est sûre. Ce Dieu te regarde. Maman. Continue d'être Jézabel. Maman, je ne vais pas laisser cette femme partir. Je ne peux pas. On va la battre. L'assistante de Jésus. On va la battre aujourd'hui. Tu n'as pas honte de toi? Elle ne peut pas parler comme ça à ma mère. Tu es stupidement venue dans la concession de quelqu'un? Elle est vraiment stupide. Tu y as mis le feu? Ne me touche pas. Vraiment? Tu n'as pas honte de toi? Maman, vous voulez me tuer? Allons-y. Oya, vous voulez me taper? Tu n'as pas honte de nous? Allez, tu es moins que rien. Tu es mauvaise. Tu ne vois rien. Pourquoi est-ce que tu parles? Parle-moi. Tu es en train de te tabasser comme le serpent. Venez d'un coup. Allez, essaye voir. Venez vous battre avec moi. Essaye. Essaye voir. Venez, je suis prête. Allez. Na. Na. Hein, Ifio? Nao. Comment va mon petit-fils? Il va mieux. Na, attends, attends. Na, Na, viens, viens, viens. Désolée de n'avoir pas pu le voir. C'est encore mes rhumatismes. Ils ont recommencé. J'aurais dû aller à l'hôpital pour le voir. Mais mon rhumatisme a recommencé. Aïe, j'ai tellement mal. Mais ça va. Quand la douleur diminuera, je viendrai le voir et je cuisinerai aussi pour ma belle-fille, oh? Maman, t'as pas besoin de venir nous voir. Parce que tu viennes ou que tu ne viennes pas, ce qui se passe, se passera, on fera avec. Je peux? Tu iras bien, tu iras bien. Porte-toi. Dieu me garde d'avoir des rhumatismes. Je suis en parfaite santé. Si tu ne veux pas que je vienne te voir à l'hôpital... Qu'est-ce que cette fille est terrible? Elle chante avec une voix de crapaud. Je te jure, les gens sont vraiment stupides. Hé, stop! Ada, toi! Ekwere, tu es malade? Qui diable es-tu pour bloquer mon chemin? J'ai appris que tu insultais ma mère. Mm-hmm. Je suis venue te féliciter pour avoir acheté les problèmes que je cherche depuis longtemps. Eya, tu es au bon endroit. Je distribue tout genre de problèmes. Tu veux la bagarre? Croise encore mon chemin. Allez, tiens-moi ça. Tu crois n'as que pas j'ai peur de moi? Traverse. Je vais traverser.
épouse ça. Encore. N'est-elle pas belle la vie? Elle l'est. N'est-elle pas belle la vie? Elle est belle. N'est-elle pas belle la vie? Hey. L'instinct maternel. Et le petit Jésus. Comme si je savais qu'il rentrerait au grand frère. Grand frère. Boubou? Viens, grand, viens. Chérie, va, va. Bienvenue. Bienvenue, Boubou. À l'intérieur. Gentil petit. Ça va, parce que... Pourquoi te comportes-tu ainsi? Attends, bienvenue. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? J'attendais que le soleil se couche. Se couche. Avant de venir vous voir. Okay. L'instinct maternel. L'instinct maternel. Je ne savais pas que vous devriez rentrer. C'est pourquoi j'ai acheté du poulet pour célébrer la guérison de mon petit-fils. Notre bébé. La guérison de ton petit-fils. Le genou est fini. Ah, non. Miracle. Le miracle. Un miracle. Tout est fini. C'est parti. C'est Dieu. Tout est fini. Le rhumatisme est fini. Maman, tu, vraiment. Oh mon Dieu, mais quel genre de femme tu... Mais t'as pas honte de toi? Ah. Non, mais sérieusement, t'as de l'argent pour aller enfermer quelqu'un d'autre? Et là, tu es en train de célébrer ça en mangeant du poulet avec ces deux kangourous-là. Cette femme et sa fille ont tabassé tes sœurs. Oui. Donc, elles l'ont bien cherché. Si t'étais pas allée là-bas, elles ne se seraient pas bagarrées. Grand frère, prends le poulet. Je vais te gifler avec ton poulet, attends. Écoute. Si tu veux m'insulter, dis-le-moi une fois, qu'on gagne en temps. Maman, si t'étais pas allée dans cette maison là-bas, de poser l'acte stupide que t'as posé là-bas, elle n'aurait pas tapé ces deux folles. Tu m'as maman fait des bêtises. Toutes ces bêtises n'auraient pas eu lieu. Donc, je fais des bêtises, moi. J'ai fait des bêtises. Maman fait des bêtises. Ah. Pas de problème. Ce n'est pas bien. Tu commences déjà à prendre ton fils à manger. Si je t'entends. Si je t'entends encore. Mais elle a raison, non? Maman, écoute-moi bien. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu es allée là-bas faire ta bêtise? Là-bas. J'ai quelqu'un qui est venu m'aider. Maman, donne-moi la viande. C'est quoi le poulet? Cette viande vous étouffe. Prends, tu bois un peu. Que cette viande s'étouffe. Toutes les deux. Dieu n'est en tout cas, je vois. C'est à moi que t'as parlé? Non. C'est à moi que t'as parlé, là? Non. Et toi, là. Viens ici. Regarde-le. Hey! Maman, tu es folle. Quand tu reviens, prends ça. Oh. Tu es très folle. La vérité fait mal. Pourquoi es-tu aussi énervée? Now. Tu veux voir tes dents? Tu veux monter tes dents? Hey, stupide, maman. Stupide kangourou. Maman, pourquoi est-ce qu'il apprend la haine à son Ferme fils? Ferme ta bouche. Ne lui parle plus. Hé, ressens ça pour moi. C'est le mien là-bas. Essaye encore. Je vais lui encore la viande. Il voit ses ennemis. Voilà la viande, non? Et encore. Manger avec eux. Mange, ma chère. Je vais bien. Tiens ça.
va le garder. Grand frère. Je veux profiter de cette occasion pour remercier mon grand frère aîné que voici. Ah, c'est rien. Pour tous les sacrifices qu'il a pu faire pour mon éducation. Ah, c'est rien. Hein? Mmh, grand frère, je veux te dire... Merci, grand frère. Ah, ça va, merci. Ça va, c'est bon. Merci. C'est bon, que Dieu te bénisse, grand frère. C'est bon. Merci beaucoup. C'est bon. Dieu est grand. C'est bon. Deuxièmement... D'accord. La société pour laquelle je travaille à Abuja okay. m'a finalement embauché. Hey, gloire à Dieu. Ça, c'est mon petit frère. Gloire à Dieu. Alléluia. Hey, Seigneur, je suis reconnaissante, car ça ne peut être que toi. Amen. C'est... Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Merci beaucoup. Bonne nouvelle. Merci. Bonne nouvelle. Now. Maman chérie. Comme si je savais. L'instinct maternel. Hmm. Comme si je le savais. J'ai vu une très jolie et obéissante fille, bien élevée, bien éduquée. Mamao. Mais elle est encore au lycée. Il lui reste encore 2 ans. Hein? Et quand tu voudras te caser, elle aura déjà eu son diplôme. Tu pourras l'épouser. Nemo. Mamao. Une fille qui n'insultera pas sa belle-mère. Une fille, hein, qui va dorloter sa belle-mère. Amen. Pas une fille qui va insulter sa belle-mère. Pas une fille qui va presque tabasser sa belle-mère. Maman, ça va. Vraiment pas comme ma femme. Oui. Pas comme ma femme. Maman, on verra bien. Maman, s'il te plaît, dis-nous les qualités de cette fille. On veut la connaître mieux. Tellement. Oui. Hey. Mai. Hey, qu'est-ce qui m'arrive? Mai. Bon, maman, voilà dans l'état des choses. Mais vraiment, en toute chose, on remercie toujours Dieu. Jéhovah a le dernier mot. Amuchi. Ah, Nana. Maman, bonjour. Mais quel est le problème? J'ai des difficultés à vendre mes beignets. J'ignore qui a dit à mes clients que j'utilise de mauvais produits pour faire mes moi-moi. Et que j'utilise le seau des couches pour tourner mes beignets. Ce qui est très faux. Non, maintenant, non. Ils refusent d'acheter. Non, ceci est un gros mensonge. Hein? Je sais qu'on n'est pas amis, mais... Personne ne peut nier le fait que tu es une femme très propre. Hey, ce monde est méchant. Pourquoi quelqu'un dirait une telle chose? Hein? Depuis le matin que je suis allée vendre mes moi-moi, ils refusent tous d'en acheter. Depuis le matin, même pas un seul. Même pas un seul. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, hein? J'ai dépensé de l'argent pour faire ce moi-moi. Aïe, désolée vraiment. Alors, dis-moi, combien est-ce que ça coûte? C'est 150 chacun. Tout le saut, c'est 3000 lira. Hey.
En tout cas, ce n'est pas un problème. Comme personne n'a acheté, j'achèterai. Hein? Je vais te donner les 3000. Hey, Nana, merci. D'accord, de rien. Merci infiniment. Que Dieu te rende au centuple. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse, Nana. Maman, tu peux en prendre un. Ne t'inquiète pas. Vas-y. Mets-la à l'intérieur. Plus tard. Maman, comment une personne peut gâter son business de cette manière? N'est-ce pas assez? Non, maman. Est-ce que tout ça doit coûter 3000 naira? On ne connaît pas tout ce qu'elle endure, maman. C'est rien. Ne t'en fais pas pour les 3000 naira. C'est rien. Je vais lui donner les 3000. Elle est travailleuse. Tu n'es pas d'accord? Mougali. Pas du tout. Je trouve qu'elle t'a dupé. Je ne plaisante pas. Ah ouais? Mon amour, si tu avais vu comment ma maman m'a défendue aujourd'hui, je prie que ça continue. J'étais très surprise. Je la regardais genre. C'est bien maman? Maman qui te défend? Oui. Ah, t'es sûre? Ce que je sais pour sûr, c'est que maman peut être têtue, d'accord, mais quand elle défend sa cause, personne ne peut l'arrêter. Personne. Et elle défendra sa cause avec force et fermement. Tu as raison. C'est comme ça qu'elle m'a défendue aujourd'hui. Je t'assure que c'est vrai. Te défendre. Maman a changé, oh. Ok. Je suis content pour toi. Je suis très content pour toi, ma chérie. Tu parleras plus d'insécurité. Tu ne parleras plus d'insécurité tout le temps, hein? Maintenant, t'es plus confortable ici. Je suis content. Je savais qu'un jour, maman va arrêter ses entêtements, cette bêtise qu'elle faisait. Et tu sais, t'aimer vraiment comme sa belle-fille. Oui, ouais. Ce jour est arrivé. Je suis d'accord. Nana. Comment tu vas? Je vais bien. Pourquoi? C'est toi qui balais encore la concession ce matin. Mais il n'y a rien de mal à ce que je balais la concession. C'est moi qui balais toujours la concession. Ma maison est juste là, donc... Ce n'est pas du tout normal. C'est totalement inacceptable. Tineye! Ada! Nana, laisse-les. S'il te plaît, laisse-les. Ce n'est rien. J'ai presque fini. Tineye! Grand frère! Nana, s'il te plaît. Viens ici. S'il te plaît, ne fais pas de cela un problème. Que faites-vous toutes les deux à l'intérieur? Mais je me repose de la fin de mon examen. J'ai mal à la tête. J'ai des tremblements. Désolée. Depuis 3 jours déjà. Ça va aller. Désolée. Du courage, grande sœur. Aucune de vos excuses ne justifie pas le fait que deux adultes comme vous ne pouvez pas vous lever le matin et balayer la concession. Comment pouvez-vous être dans la maison la femme de votre grand frère? Pas seulement votre grand frère, la femme du fils aîné de la maison. Elle fait la cuisine, le ménage, la lessive dans cette maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi tu parles ainsi? Est-ce une habitude? Comment ça fait tout ici? Est-ce que c'est chaque jour? Quelques jours. Mais elle le fait parce que tu viens d'arriver. Oui. Je balaie toujours ici la nuit. C'est juste qu'il y a trop de soleil et je ne vois pas bien quand il y a du soleil. J'ai mal aux yeux. C'est ça. C'est pour cela que je voulais attendre le soir. C'est elle qui... Du courage, grand frère. Laisse, Nana, laisse. Donne-moi le balai. Donne-moi le balai. Reviens, c'est Tineye. Dépêche-toi. Prends ça. Balai-moi rapidement, c'est vrai. Balai, hein. Dès que tu finis, tu viens. Tu boiras de l'argent pour les médicaments. Désolée. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je ne me sens pas bien. Tombe. Je vais mourir. Grand frère, je vais tomber. S'il te plaît, ne touche pas ce balai. Allez, je ne me sens pas bien. Vraiment, je ne me sens pas bien. Je vais mourir. Tu vas mourir. Mais c'est quoi cette façon de faire? Un très mauvais comportement. Je vais te... Si je te gifle, tu vas changer de couleur. Ça ne va pas. Je vais mourir. Grande sœur. Maman, ce n'est plus drôle du tout. J'ai vu tes deux filles mal parler à Amouti. La laissant toutes les corvées de cette maison. C'est vrai qu'elle ne se plaint pas. Mais doit-elle se plaindre pour qu'on agisse bien? Na, laisse tomber. Tu viens juste de rentrer.
avant ton retour, tes sœurs faisaient pratiquement toutes les corvées de la maison. Elles balaient, nettoient, cuisinent. Elles prennent même soin de leurs neveux. Ce n'est que depuis quelques jours qu'elles sont tombées malades à cause du stress de l'école. J'étais obligée d'appeler gentiment Amouti pour la supplier. Calmement pour les remplacer dans ses corvées jusqu'à ce qu'elles aillent mieux. Bon, pour ce qui est de la façon dont elle lui parle, elle lui rend seulement la monnaie de sa pièce. Elle ne me respecte pas. Que veux-tu qu'elle fasse? Hein? Maman, nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Amouti n'oserait même pas mépriser ton dernier enfant tinéé. Encore moins toi, notre mère. Ce n'est pas vrai. Maman, je te préviens. Parle bien à tes deux enfants. Parle à tes deux filles. Car si je vois encore ce genre de choses dans cette maison, je te jure, maman, je vais casser leur tête. Ah ah. Pourquoi les gens jugent toujours mal? Même mon fils prend déjà le parti de cette fille. Hein? Nguan, je ne sais pas ce qu'elle leur donne. Oh. T'as vu? C'est comme ça. Mais sérieusement, je dois te féliciter pour ça. Cela montre que ta femme et toi êtes des personnes paisibles. Parce que vivre avec nos sœurs et la maman dans la même maison n'est pas une chose aisée, hein? Elles sont grave toxiques. Trop toxiques, mon frère. Toxiques. Aïe. Je sais et je prie que ton séjour dans ce village ne dure pas éternellement. Amen. Je t'assure. Amen, amen. Je sais que ça va arriver. Amen. Je sais que ça ne peut pas durer éternellement. Ça va repartir. Je vais repartir. Mes affaires vont reprendre. Aïe. Ouais. Non, mais le Dieu que je sers est plus grand que ces deux idiotes qui sont dans la maison. On enlève maman pour le moment. Mais ces deux-là, ces deux idiotes de sœurs-là, surtout n'est... Oui, oui, le Dieu que je sers, et je le prie toujours à genoux. Ça va aller, ça va aller. Je compte retourner en ville demain matin pour prendre mon service lundi. Ah, mon frère Nana. C'est pas parce que t'es là que je vais te jeter des fleurs, mon frère. Mais je suis fier de toi. Merci. Je suis fier de toi. Merci. Je suis fier de toi. Et t'es un mec toujours chanceux. Je suis fier de toi. Et là, je sais que la scolarité que j'ai payée pour toi, c'était pas en vain. Pas du tout. Pas comme celle que j'ai payée pour Ada et Ney, tu vois. Ney a échoué deux fois. Ada a redoublé sa classe une fois, tu vois. Celle-là continue de redoubler les classes. Mais elles sont incapables d'arrêter d'insulter ma femme et moi dans cette maison. Mais y a pas de problème. Le Dieu que je sers est grand. Et mes affaires vont reprendre. Amen. Y a pas de problème. Merci infiniment. Après Dieu, c'est toi. Hein? Sérieusement, après Dieu, c'est toi. Je suis tellement reconnaissant. Tu as vraiment beaucoup fait pour moi. Mais ces idiotes à la maison le savent d'où? À part maman maintenant, ces idiotes à la maison de sœurs ne savent pas. Mais elles vont continuer à m'insulter. Mais y a pas de problème. Des idiotes comme ça, au lieu de chercher des maris. Bonsoir à vous. Frère. Voilà, est-ce que vous avez des ampoules? Des ampoules de 15 watts, elles sont là, 600 naira. Non, moi j'ai 500 naira. Je les vends 600, mon frère. Non, ce n'est que 500 que j'ai là. Tu quoi? Mais mon frère, si tu ne vends pas 500 naira, moi je m'en vais. Calme-toi, mon frère, c'est vendredi. Ah! Non, mais c'est avec cette colère que tu vas entrer dans le week-end. Mais non, c'est ce que j'ai que je t'ai dit. Hein? Ah, calme-toi, donne-moi 550. Monsieur, si tu ne veux pas vendre, reste avec ton ampoule. Viens, moi je m'en vais. C'est relax, parce que tu ne veux relax, pas comprendre. Relax. T'agis souvent comme ton père. Mais calme-toi. 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 Mais c'est bon, on est d'accord. N'agis pas comme ton père. Mais parle bien. L'argent, mon frère. Ok. Mon frère. Voilà. T'ajoutes rien? Ok. Mon frère. Tu n'as pas une autre? C'est tout ce que j'ai. Tu sais quoi? Laisse tomber. Pour 500 naira? Mais t'es pas bien, toi. Mais t'es pas bien, toi. Voilà. Tu vois? Voilà le bénéfice d'un homme. 40 naira par jour. 40 naira. 40 naira? Toute cette gueule, tout ce que tu as vu avec le petit garçon là, 40 naira. 40 naira, c'est bien que tu saches. Un gaillard comme moi, regarde-moi ça. Un vieux comme moi. Ça va aller. Un mec qui comptait des liasses auparavant. Regarde-moi maintenant, frangin. Ça va aller. Ça va aller. Je gère, bro. Ça va. Ça va. Ça va. Ah, si c'était pas ce Dieu que je servais, je me relève bientôt. Il faut. Et y a pas de problème. Ça va aller. Pas de problème. Pas de problème. Ça va aller.
Allons-y, allons-y, allons-y. Le bus va bientôt partir, allons-y. Non, allons-y. Maman, chérie. Allons-y, allons-y. Prends soin de toi, d'accord? Oh, bon voyage, merci, mon fils. Maman. Prends soin de toi, hein? Ma puce, ne sois pas triste. Il n'y a pas de problème, d'accord? Mon fils. Ne pleure pas, hein? Hé. Hey. Ada? Ah, viens, non? Me voici, maman. Désolée. Je crois que tu peux déposer ça ici, n'est-ce pas? Oui, Ifeanyi. Ifeanyi. Oui, on y va. Ifeanyi, prends cette valise. C'est quoi avec le bus qui va partir? Prends sa valise. Ma puce ne pleure plus. Ada? Ça va, d'accord? Ne pleure plus. C'est ça que tu viens. Mais maman a demandé que tu la portes. Bon, à la prochaine, d'accord? Laisse-moi venir avec toi. Ne t'en fais pas. Laisse-moi la porter. Ne t'en fais pas, laisse tomber. Il porte son sac. Pourquoi il porte son sac? Maman, je pars avec eux. Bye-bye, Na. Donc, Ifeanyi Chukwu n'a pas porté le sac. Tes cheveux sciés. Désolée, désolée. Tu sais, je vais manger son argent sans remords. Comme il ne sait pas qui joue dans sa ligue. Je vais manger ça et partir. Ma chère il ose amie. Me draguer. Mange son argent. Du moment où tu ne lui as rien demandé, ma copine, mange ça. C'est pour cela que je t'aime. Nous voyons les choses de la même manière. Oui, oh. Mange-moi ça. Ça me revient. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que je t'ai dit à propos de ma belle-sœur. À qui d'autre est-ce que tu l'as dit? Ce que tu m'as dit, à qui d'autre l'ai-je dit? Je ne l'ai dit à personne. Tu vois ce que je n'aime pas chez toi? Tu mens beaucoup. Pourquoi tu dis que je mens? Pourquoi alors, tu dis... comment est-ce que les villageois sont au courant? Je ne l'ai dit qu'à toi. À qui l'ai-je dit? Ok, je l'ai dit à Osita. Oh, désolée, ma chérie, je suis désolée. Tu l'as dit à tout le monde. Parce que le dire à Osita, c'est le dire à tout le monde. Tu sais que ce gars est plus commère qu'une femme. Pourquoi lui en avoir parlé? Désolée, d'accord. Osita qui cancane plus qu'une femme? Hey. Tu es terrible, hein? Pourquoi tu as fait ça? C'est bon. Quand je te l'ai dit, j'étais j'ai folle. Compris, non? Je te dis un truc, tu vas le dire à une autre ne personne. Ne te fâche pas. As-tu déjà entendu un truc que tu m'as dit ailleurs? S'il te plaît, ne te fâche pas. Apprends à fermer ta bouche, s'il te plaît. Ce n'est pas ça qui va nous séparer. Tu sais que ce genre de choses m'énerve, bon, mais tu le fais compris. Toujours. Arrête Ada, ça. Chérie, ma chérie, c'est bon. Désolée, j'ai compris. Ada, s'il te plaît, termine mes cheveux. Ça fâche, je suis désolée, ne te fâche pas. Pourquoi ne pas me fâcher? Tu as compris? Je suis désolée. Petite commère. Ada, Ada, ma chérie Ada. Amuche! Mama! Qu'as-tu raconté au pasteur pour qu'il se mette à regarder dans ma direction pendant qu'il prêchait? Maman, moi? Moi. Je n'ai rien dit au pasteur. Comme d'habitude, je savais que tu allais nier en bloc, mais ce n'est pas important. Madame, laisse-moi te dire un truc, si tu veux. Tu vas lui dire l'histoire de ma vie. Raconte-lui tout sur ma famille. Raconte à tout le monde. Je ne t'aimerai jamais. Je ne t'accepterai jamais. Je t'ai dit de ne pas épouser mon fils, mais tu t'es entêtée. Tu t'es entêtée. Pour me défier, n'est-ce pas? Tu le regretteras amèrement. Mon ami, dégage de ma vue. Dégage. Va dire à tout le monde, je m'en fous éperdument. Fille stupide. Idiote. Le pasteur prêchait en me... Mais maman, c'est quoi tout ça? Et ça veut dire quoi tout ce que j'ai entendu là? Pardon? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que j'ai entendu? Non, 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 mais sérieusement, c'est quoi le rapport entre Amuche et le pasteur qui prêche en te regardant toi? Je sais qui j'ai chez moi. Je connais le diable avec lequel je vis. Je sais ce qu'elle est capable de faire. Maman, arrête, arrête. Arrête, s'il te plaît. Tu es ma mère. Je te respecte. Je t'aime, oui. Mais s'il te plaît, tu dois comprendre que... elle, c'est ma femme.
Ma femme, mon amour. Je l'aime, je la respecte et je la chéris de tout mon cœur. Laissez Amouché respirer dans cette maison. Laissez Amouché respirer dans cette maison. Qu'elle respire. Pardon. Pardon. Chérie. Attends, Ifeani Choko. C'est à moi que tu t'adresses ainsi? Laissez-la respirer. Tu me cries dessus. Hein? Chérie. Baby, abîme-toi ou non. Chérie. Hein? Mais attends. Pourquoi le pasteur prêchait et me regardait en même temps? Hein? Sérieusement. Nah, eh. Et tout ce qu'il disait, c'était comme si quelqu'un lui en avait parlé. Est-ce possible qu'Amouché ne lui ait rien dit? Ça pourrait être une coïncidence. Ou... Quelqu'un a dû lui parler. Et c'est Amouché. Viens, Chinenye. Chinenye! Maman! Ada! Maman? Oui. Et... Ah, maman, tu as vraiment mangé sans nous donner un peu? Comment de grandes filles comme vous deux peuvent-elles être aussi sales? Ah, sales comment? Maman, comment pouvez-vous manger et garder vos plats dans votre chambre? Maman, j'ai dit à ce bébé porc de toujours faire sortir les plats. Mais c'est évident qu'elle a des problèmes d'huile. Moi, bébé porc? Oh, maman porc, n'es-tu pas aussi... concerné, je vais te donner une grosse claque. Contrôle ta bouche. Prenez ça entre mes mains. Très bien. Maman, je ne prendrai que celui dans lequel j'ai mangé. Je vais te gifler. Prends ces plats entre mes mains. Maman, je n'aime pas ça. C'est injuste. Rejoins Banco et je maman, te gifle. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas gentil. Chaque fois qu'il y a un problème, je la préfère à moi. Va dans ta chambre et prends tous les plats sales là-bas. Maman, qu'elle aille faire ça, oh. Tais-toi, laisse-moi finir. Petit bébé porc. Va les prendre. Lave-les et viens me les montrer. Non, maman. Maman, ce n'est maman, pas bien. Maman, je vais t'acheter un jus bien glacé. Jolie femme. Parce qu'elle suit les hommes et vient te donner des jus. Qu'est-ce que tu as dit? Maman, maman. Je suis maman. Je suis ton égale. Je suis ton égale. Tu n'as même honte pas honte. Tu n'as même pour pas 3000. Honte. Pour 3000. Prends. Prends. Bâtarde. Maman, maman. Jolie femme. Allez, va là-bas, va me laver ces plats. Tu es la meilleure des mamans dans ce monde. Ma maman. Maman, tu recommences encore. Tu es trop drôle. Ha, celui-là, il a commencé les classes aujourd'hui, à la crèche. Je t'assure, sais-tu qu'il n'a même pas pleuré quand je l'ai déposé? Oui, oui. Mon mari ira le chercher à midi. Maman, sais-tu que j'ai reçu un transfert de 100 000 naira de papa? Mon Dieu, je ne sais pas comment vous remercier pour cette gentillesse. Remercie papa pour moi, je suis si reconnaissante. Merci beaucoup, maman, merci. Je le ferai. Je le ferai. D'accord, je t'aime. Bye. Ezingwele wilkom. Unana ya narikobi. Ezingwele wilkom. Écoute, mon amour. La maîtresse a dit que quand les autres enfants pleuraient, okay. Chimobi était juste là. Mm-hmm. Il riait, tranquillement. Il riait? Mais oui. Tu sais que j'ai donné naissance à un enfant très intelligent. Oui. Et à cause de cela, il a été désigné comme le mentor de toute la crèche. Délégué? S'il te plaît, arrête ça. Stop, stop, stop. Mais qu'est-ce que tu veux dire par délégué de classe? C'est quoi cette histoire? Tu penses que je mens? Mais arrête ça, arrête ça. Dis-moi qu'il est le responsable de la crèche ou le chef de classe. Mais tu sais qu'il est intelligent. Comme sa maman. Non, comme son père. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Que veux-tu dire? Comme son n'importe père, quoi. Comme son père. C'est le père qui est intelligent. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est, là? C'est quoi ces bêtises? Mm-hmm. Hein? Pourquoi vous deux faites autant d'efforts pour faire croire aux gens que vous êtes un couple heureux? Allez dormir dans votre chambre.
Ne dérangez pas nous autres. Couple de mon œil. N'importe quoi. C'est quoi ces conneries? N'importe quoi. Tu vois cette femme-là? Non, mais j'en ai marre, là. Sérieux. S'il te plaît, laisse tomber. Je t'en prie. Laisse tomber. Madame, attends. D'où est-ce que tu sors? Je suis allée laisser l'enfant à la crèche. Que signifie ce que tu as fait hier soir? Maman, qu'ai-je fait hier soir? Tu me demandes à moi? Tu me demandes à moi? Hein? Je sais que les sorcières ne dorment pas la nuit, mais permets-nous, nous humains, de dormir. Hein? Pourquoi tous ces drames que tu faisais hier soir? Il faut laisser les gens dormir paisiblement. Tu as compris? Ne perturbe plus jamais mon sommeil. D'accord, maman. Je suis désolée. Tu es désolée de quoi? Pourquoi faire tous ces drames? Pour rien du tout, n'importe quoi. Ifeanyi Chukwu, ce que tu as fait, était-ce bien? Hein? Est-ce que c'est bien? Tu sais que je ne vais pas bien. Tu connais mon état de santé. Mais tu es allée enregistrer Ada. Maintenant, elle n'est pas là. Est-ce que c'est bien? Dis-moi. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien par rapport à quoi? À quoi? Est-ce qu'Amoutier est ton infirmière? Mais dis-moi si c'est ça. N'est-ce pas mon droit d'être soignée par les femmes de mes fils? La réponse est non. Oui. C'est non. Kamoutier prend soin de toi comme elle a fait, c'était un privilège. S'il y a des gens qui doivent prendre soin de toi, ces gamines sont supposées être tes enfants. Spécialement tes filles. Et quand je dis ceci... tu dois bien éduquer tes enfants. Je répète, tu dois bien éduquer tes enfants. Tu dois bien éduquer tes enfants. Parce que... demain, quand tu seras plus vieille, et que tu n'auras plus la force de détruire les choses, insulter les gens comme tu veux, moi je dis ça, je dis rien. Éduque bien tes enfants, pour ton propre bien. De nouveaux jours arrivent bientôt. Je me demande comment Hébé peut laisser son éducation pour le mariage. Sérieux? Tu voulais te marier à sa place? Ne vois-tu pas qu'elle souffre? Bien sûr, elle devait aller chez cet homme pour qu'il puisse les aider. Les pauvres. De toutes les façons, ma chère amie, tu as raison. Tu as raison. J'ai toujours raison. Donc, elles vont profiter du mariage pour le déplumer et le sucer jusqu'à l'os. Bien fait pour lui. Était-il aveugle quand il l'a choisi? Il a laissé toutes les jolies et décentes filles poursuivre cette poule mal famée. Bien fait pour lui. Ada, ça veut dire quoi, Ada? En tout cas, je leur souhaite bonne chance. Je ne leur souhaite rien de bon. Ah, ah. Je hais cette fille. Je la hais tellement. Pourquoi? Pourquoi tu la hais? Je la hais. Je hais leur famille. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mba. Allez, enlève ta main sur moi. Hey, enlève ta main sur moi. Tout le temps, tu t'enflammes comme si quelque chose te piquait. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui me pique? J'exagère. Pardon. Tu veux faire comme si tu étais la sœur de Jésus? Je n'ai pas dit que je suis la sœur de Jésus, mais cette fille n'a rien fait du tout. Oui, je vais partir. C'est même quoi cette histoire? Mais tu connais ta mère, n'est-ce pas? Hein? Tu connais mon choix. Elle est superbe. Elle est plus bien. Elle est plus belle. Que la femme de ton frère. Na. Pour une fois, je vais jouir de la relation belle-mère-belle-fille. Je serai enfin heureuse. Ok. Pas de problème. Oh, Nguano, bye bye.
Bon après-midi, grand frère. Madame, arrêtez-vous là. Pardon? Miss, d'où est-ce que tu viens? Pardon? Ma, d'où est-ce que tu viens? Je demande d'où est-ce que tu viens, mademoiselle. Eh oh, maman. Ah, ah, tu es rentrée? Oui, maman. Dieu merci, oh. Ah, ah. Maman, épargne Dieu. D'où est-ce que tu viens? Maman. Je te demande d'où est-ce que tu viens. T'es stupide. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Je vais te fouetter maintenant, t'as pas idée. Je te demande d'où est-ce que tu viens. Fais pas ça. J'étais à l'église, hein. Après les répétitions, on a dit qu'on aille de maison en maison. Tu connais tous les voisins, ils ne s'entendent pas bien. Oui, maman, on est allé prier pour eux. C'est de là que je sors. T'es allé prier, toi? Oui. T'es allé prier pour eux? Comme Paul et Silas? Ou comme Pierre et Paul? Non, grand frère. Tu parles à qui? Tu penses me tromper? Tu es stupide? Non, grand frère. Je te demande d'où tu viens. Tu penses que tu peux me tromper? Où est ta Bible? Où sont tes affaires? Si tu ne parles pas maintenant, je vais te fouetter. Ifeanyi Chukwu, calme-toi. Hein? Ce n'est pas dans toutes les églises qu'on exige la Bible et le foulard. Oui. Hein? Tu sais bien que ça fait déjà un bon bout que tu ne vas plus à l'église maintenant. Oui. Tu ne sais pas que les choses ont déjà changé. Tu ne sais pas qu'il jeûne et que cette fille est affamée. Hein? Ne dérange pas l'enfant là, pardon. Va à l'intérieur. Merci, bienvenue, maman. Ma fille. Va chercher un truc à manger. Tu lui souhaites la bienvenue. Que dois-je dire d'autre? Tu lui dis d'entrer. Ok, tu dis qu'elle jeûne. Oui, pas de problème. Et elle prie aussi. Elle jeûne et prie, pas de problème. Son jeûne va bientôt lui apporter une bonne récolte. Tu m'entends? Une bonne grossesse dans ta maison. Ah bon? Oui, t'inquiète, ça va nous trouver ici. T'inquiète. Pourquoi dis-tu cette de telles choses? Cette fille va apporter un ballon de grossesse dans cette maison. Pas de problème. Continue de les gâter. Gâte-les toujours. Protège-les. Ah, Ifeanyi. Il y a pas de problème. Ifeanyi, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu le sauras bientôt. Laisse-moi aller donner la nourriture à ma fille, s'il te plaît. Pas de problème. Mais tu as bien mangé, ma puce. Ok. Hein? Ok. Es-tu rassasié? Tu jeûnes. La vérité finira par sortir. Deux filles. Tu es vraiment inutile. C'est moi qui t'achète encore des serviettes et c'est moi qui t'achète encore des habits. N'as-tu pas honte de toi? Hein? Regarde un peu à quel point tu es jolie. C'est vraiment honteux. Allez, lève-toi et va te laver, que je respire de l'air frais. Pardon, j'ai eu ma dose ce matin. Laisse-moi tranquille. Si tu me parles encore sur ce ton, je vais te refaire le portrait avec des claques. Tu es malade? Hein? Tu veux être minable? Tu es malade? Tous ces gars minables que tu suis partout, que font-ils pour toi? Ah, n'est-ce pas toi, tu suis les gars riches? Tu sais que je ne suis pas de ta ligue. Je ne suis N'importe pas de ta quoi. Ligue. Et va enlever mes habits, sinon Dieu va te punir. Fille inutile. Je ne t'avais pas sauvé de la colère de ton frère. Hein? Il t'aurait réduit en bouillie. Il t'aurait tué. Tu n'es qu'une folle. Tu crois que j'ignore que c'est Emma que tu es allée voir l'autre jour? Tu es franchement bête. Tu te donnes gratuitement à lui. Hein? Mais tu viens me demander le savon. Tu viens me demander ton lait. Tu n'as pas honte? Tu ne vois pas ta sœur? Ada, ta sœur, tout homme qui vient lui faire la cour perd son temps. Elle ne voit pas son avenir ici. Elle sait que son avenir est en ville. Tu suis les hommes, tu suis celui-ci, tu suis celui-là. Et après, c'est chez moi que tu viens demander l'argent pour ton lait, l'argent pour... Si je te gifle, tu vas t'évanouir. Désolée, maman. Dégage! Tu es désolée. Maintenant, tu dis que tu es désolée. Ne peux-tu pas extorquer de l'argent à ces gars? Espèce d'idiote. Bêtise.
Madame. Maman. Pas de boulot aujourd'hui? Maman, j'ai pris un congé. Je ne me sens pas très bien. Tu as pris un congé, tu ne te sens pas très bien. Dis-moi, es-tu encore enceinte? Hein? Hia, sais-tu que tu fais partie des problèmes de ce pays? En ces moments difficiles, tu es encore enceinte. Tu veux tuer mon fils ou quoi? Hein? Veux-tu le tuer? Ah, madame, pardon. Lève-toi et nettoie. Nettoie partout. J'ai pris un congé. N'importe quoi. Du vrai n'importe quoi. Amouche, lève-toi, madame. Allez, lève-toi, va piler l'igname. Maman, s'il te plaît, je ne peux pas, je suis fatiguée. Hein? Je t'ai dit que je ne me sentais pas bien. Tu sais que je fais toujours ce que tu me demandes. Mais là, je ne peux pas. Je le savais. Tu viens de me dire non. Tu refuses de piler l'igname, n'est-ce pas? Je ne te blâme pas. J'ai toujours su que tu es une fille méchante, très méchante. C'est mon fils que je blâme. Mon fils a fait de toi la reine de ma maison. Maintenant, tu te répands comme un virus. Maman, pourquoi es-tu toujours en train de me gronder? Si tu me poses encore cette question, je vais te gifler. Allez, va piler ces ignames. Maman, s'il te plaît, quand mon mari va rentrer, il va les piler. Ah! Je ne me sens pas bien. Regardez cette fille. Mais quoi? Je suis encore en train de parler. N'est quoi, Obinne? Il ne faut pas que j'arrive à cette cuisine avant toi. Ah ah! Où est-elle, non? Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît.
S'il te plaît, maman. Je ne te dis jamais non. Maman. Maman, ça fait 3 ans que je me suis mariée avec Ifani. Mais je n'ai jamais eu la paix. Ma belle-mère ne me laisse pas avoir la paix dans cette maison. Ça devient insupportable, maman. Elle me violente verbalement. Elle me violente émotionnellement. Elle ne s'est jamais abstenue d'aucune injure à mon égard. Bien sûr, maman. La dernière fois, je lui ai demandé de me pardonner. S'il y a quoi que ce soit ou quelque chose qu'elle n'apprécie pas que j'aurais fait, qu'elle me pardonne. Je lui ai dit tout ça. Mais elle a dit que je n'aurais pas la paix si je ne laisse pas son fils. Oui. Maman, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Hein? D'accord. Je te parle et tu t'en maman, vas. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Amuche, suis-je ton égale? C'est à ma mère que tu parles de la mère. Je ne suis plus d'accord. Pour l'amour de Dieu, je te supplie. Ce n'est plus drôle. Maman, ça devient difficile pour moi de supporter. Qu'est-ce qu'il y a? Que voulez-vous insinuer? Que je suis une voleuse? Oui, tu es une voleuse. Oh, la ferme. Avez-vous déjà cherché quelque chose dans cette maison auparavant? C'est à toi de nous le dire. Cet argent ne s'est pas envolé par magie. Tu l'as volé. Toi, ferme-la. Tu n'as pas honte. Que le malheur s'abatte sur quiconque a pris mes 3 000 Amen. 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 Dieu me vengera. Maman, s'il te plaît, révoque la malédiction. J'ai pris cet argent, je l'ai utilisé. Hey. Pour faire quelque chose. Tu as pris l'argent. Hey. Alléluia, nke mukama. Comment tu peux voler cet argent? Fille minable. Quelle tu as donné cet argent à Kenneth. Fille minable. Si tu sortais avec de bons garçons, tu n'allais pas voler l'argent de maman. Je n'ai pas tu volé honte pour son nous. Argent. Maman, je vais avertir cette fille. Chinénie. Fille inutile. Chinénie, je te donne jusqu'à ce soir pour me remettre mon argent. Je te maman, laisse jusqu'à ce soir. Je ne peux pas avoir cet argent d'ici si ce soir. Si je ne vois pas cet argent, hein? Je ne me sentais pas bien. C'est pour cela que j'ai pris cet argent. Maman, je n'aurai de l'argent que la semaine prochaine. J'ai fait un truc important avec. Où vais-je prendre de l'argent maintenant? Maman!
Maman? Maman? Oh. Hein? Maman? Qu'y a-t-il? Bien, maman. Hey. Maman? Maman? J'ai passé mon examen. J'ai réussi. Université, université, université. Ma fille, attends, maman. attends. Lis ça pour moi. Hey. Maman? Anglais. A1. Excellent. Tu es sûre? Maman, tu ne me crois pas? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me voyais pas veiller pour étudier? Hey, maman. Connaissance chrétienne et religieuse, B3. Économie, B3. C'est vrai? Tu es sûre, ma fille? Maman, j'ai bien travaillé. Maths, B2. Es-tu vraiment sûre de toi? Maman, bien sûr que oui. Continue, continue. Citoyenneté, A1. Super, 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 super. Tu as réussi? Ça te regarde. Tu as réussi à ton examen. Bravo. Dieu m'en garde. Je vous rejette ta sorcellerie. Pour les résultats, dada. Maman, maths, continue, B3. Ma chérie. Félicitations. De quoi? Ne peux-tu pas attendre d'être invitée? Je couvre mes résultats avec le sang de Jésus. Toujours à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Hey, oui, maman. Tu disais, où en étions-nous? Vas-y, continue. Maman, j'ai réussi à toutes les matières. Et... Tu es sûre de toi? Maman, aux maths. Ouh. On était aux maths. J'ai réussi à toutes les autres matières. Hey. Dans quelle université iras-tu? Maman, Namdi Azikiwe. Et tu voulais lui donner tes résultats? Désolée, maman. Donc tu iras en ville? Oui. C'est super. J'irai en ville. Félicitations. Merci, maman. Alors, j'ai élaboré ce menu pour le grand jour de maman. Pour son anniversaire. Nous allons faire 4 plats de sauce tomate, 4 plats de d'abacha, de la viande rôtie et des boissons. Comme invité, maman, grand frère Ifeani, moi-même, Adabike, toi, Nénie. Alors, quel cadeau allons-nous lui acheter? Maman se marie ou quoi? Mon ami, la semaine prochaine, c'est Lukanye. Ça veut dire quoi? Non, n'avons-nous pas fait assez? 4 plats de sauce tomate, 4 plats d'abacha, la viande, les boissons, et tu ajoutes encore un cadeau? Né, s'il te plaît, quelle est ta contribution? Ou alors tu n'as pas reçu de l'argent cette semaine? Quelle contribution? Je travaille? Tu fais de la prostitution. On ne te paye pas? Tu le fais gratuitement? Je sens que ça va se terminer en bagarre. Madame, reviens. Laisse-moi tranquille. Tu es malade? L'anniversaire de ma mère, tu ne veux rien. Laisse-moi tranquille. Tu es malade? Laisse-moi tranquille. Ne parle pas sur ce ton. Maman! 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 Une idée qui se donne aux hommes gratuitement. Tu es malade? Je suis ton égal? C'est toi qui sors les hommes. Moi, je le sais pas. Tu sors avec de bons hommes. Enlève mes habits. Viens arracher. Mendiante, enlève ça. Enlève ça. Tu ne peux pas porter mes habits et m'insulter. Enlève ça. Je vais réduire les plats de sauce. J'enlève un plat de sauce. 3 plats. Fille inutile. Je vais préparer de la sauce pour toi. Tu vas aller suivre les hommes. Idiote. Je vais acheter un panier à ma mère. Idiote. Au moins, je suis l'homme le plus heureux du monde. Tu sais, le plus beau dans tout ça, c'est que désormais, je suis proche de toi. Oui. Bébé, est-ce que tu sais qu'il y a certains directeurs qui ne voulaient pas qu'on me transfère? Mais Dieu merci, on est là maintenant. Si tu m'as manqué... Tu m'as manqué plus que tu ne peux l'imaginer, bébé. Tu m'as énormément manqué. Oui, je l'ai déjà dit à mon frère aîné. Et je suis sûr qu'il a déjà dit à la maman. Oui, je lui ai dit que je suis au village maintenant. Alors, dis-moi. Es-tu contente que je sois de retour? Je sais... Je sais, chérie, je suis si heureux. Décroché. D'accord, mon amour.
Maintenant, t'as vu? Non, mais t'as vu? Tu te vois? Je te vois maintenant? Quand je te parlais, tu ne m'écoutais pas. Regarde maintenant. Tu dis quoi? Hein? Mère Teresa, t'as vu? Quand je te disais, reste dans ton coin, reste dans ton coin, tu n'as pas écouté. Regarde maintenant. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Regarde comment t'as été ridicule. Regarde les moqueries. Tout ça pour toi. Hein? Regarde comment maman t'a ridiculisé maintenant. Qui t'a dit d'acheter un cadeau? Pourquoi? Être en enfer? Tu achètes un cadeau pour qui? Et pourquoi? Quel honneur! Toi, tu veux offrir des cadeaux à des gens. Mais pour qui? Regarde comment maman a jeté ton cadeau. Et en pleine fête des mères, en plus. En pleine fête des mères. En sachant très bien comment t'as dû souffrir pour acheter ces cadeaux pour elle. Regarde maintenant ce qu'elle t'a fait. Devant moi dans tout ça. Vas-y, regarde maintenant ce que c'est. Hein? Quand je te parle, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Et maintenant, là, tu pleures. Tu pleures quoi? Et je te demande d'arrêter de pleurer maintenant parce que tes pleurs, là, elles entendent ça là-bas. J'aime pas ça. Tu dois baisser ta voix. Chérie, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Reste dans ton coin, reste dans ton coin. Oublie ces gens. De notre côté, c'est une bonne chose. Tu les connais maintenant. Tu les connais mieux. Si tu les connaissais pas avant, maintenant, tu les connais. Quoi? Reste dans ton coin, reste dans ton coin, reste dans ton coin, Amoutier. Tu n'écoutes pas quand je te parle, Amoutier. Occupe-toi de toi-même. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Tu es aussi une mère. Tu m'entends? T'as pas le droit de pleurer, là. Ne pleure pas, là. Parce que ce qui est fait déjà. Et c'est fait parce que tu refuses d'écouter. Écoute-moi, pour ton bien. Pour ton bien parce que je crois parler à ma femme. Reste dans ton coin, reste dans ton coin, oublie-les. Mais tu n'écoutes pas, tu veux être une bonne personne. Voilà ce qui t'arrive. Et maintenant, regarde-moi ça. Regarde comment elles ont ridiculisé ma propre femme. Vraiment, si on m'avait dit que c'est maman qui serait responsable de mes malheurs ici dans ce village, j'aurais réfléchi à deux fois. C'est terrible ça quand même. Et tu parles à ta femme, elle n'écoute pas. Pas vrai. Vraiment, vous les femmes. Mais ça va. Ça va aller. Ça va. Ça va. Je suis aussi triste, s'il te plaît. Maintenant, reste dans ton coin. Reste dans ton coin. Reste dans ton coin. Quand tu pleures, je suis triste aussi. Hein? Ne pleure même plus pour ces gens maintenant. Les pleurs que je veux que tu sortes maintenant, ce sont des pleurs de joie. Non pas les pleurs parce que c'est maman qui t'a fait des bêtises. Oh mes sœurs, mais c'est quoi ça? S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai mal moi aussi, s'il te plaît. Désolé. Mais s'il te plaît, oublie ces gens. Oublie-les. Oublie-les. Moi-même, je ne suis pas confortable. Oublie-les. La reine du village voulait être remarquée par tout le monde. Je suis contente que tu l'aies humiliée. Une sorcière. Moi, j'ai su que ça devait arriver. Surtout quand elle s'est mise à pavaner avec le cadeau qu'elle a. Tu t'imagines? Sa belle. Je savais que maman lui foutrait la honte de sa vie. Je savais. Je t'assure. Je savais. Oui, qu'est-ce que je voulais faire? Tu es très observatrice. Elle voulait me faire quoi, là? Je t'assure. Hey! Ça lui apprendra. Mais mon problème est que... Pourquoi est-ce que grand frère Ifeani ne voit jamais rien de mauvais dans ce qu'elle fait? Il est toujours en train de la soutenir. Ne sais-tu pas? Il est envoûté. Maintenant, je comprends. Ce n'est pas simple. Maman, ce n'est pas bien haut. Vraiment, notre premier fils. Ton premier vraiment, fils. Vraiment, nos ennemis ou sont mon là. Premier fils. Tu ton es premier folle. Fils. Mais qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Tu sais ce que je veux dire? Vu que les ennemis l'ont eu, tout le monde de la famille devient une marionnette. Ça peut nous arriver également. Dépêche-toi de faire la cuisine. Hein? Maman. Comment ça, hein? Je ne peux pas faire ça. Je dois aller à la réunion de l'église. Je ne peux pas faire ça. Et qui va cuisiner? Il y a une raison pour laquelle j'ai dit la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sont les préinscriptions. Et tu sais que si je viens, je vais rester longtemps. Inutile de se presser. De plus, maman veut me donner des provisions pour toi. De la bacha, de l'huile rouge et du gari. Oui. Nana, je n'ai pas l'argent de transport.
Eh. Hey. Ok, on voit alors. Merci. Merci. Ne dis pas à maman que tu m'as envoyé de l'argent. Eh. Hey. Merci. D'accord, bye. C'est pas une mauvaise idée. Pas du tout. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Je veux dire, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Je veux dire, on a besoin de repos. Ouais. Mais, mon amour, comment vas-tu te nourrir? T'inquiète pas, ça va aller. Maman me donnera toujours à manger. T'inquiète pas pour ça. Ça va aller. T'inquiète pas pour ça. Tu en es sûr? Oh, très sûr, très sûr. Donc je ne vais pas te manquer. Mais bien sûr que tu vas me manquer. T'as commencé déjà? Parce que tu as oublié de me dire que j'allais te manquer. Mais bien sûr que ma femme va me manquer. Mais quand ma femme est heureuse, moi aussi je suis heureux. Merci. Hey, maman. Les gens sont méchants. Il fallait voir comment cette femme était en train de me parler. Je me suis seulement maîtrisée. Hein? Quelque chose qu'on peut t'aider à faire, on te demande d'aller dans le bureau d'où tu viens de sortir. N'est-ce pas de la méchanceté? Mama, je profite de la vie ici. À l'heure où je te parle, pendant que je regarde la télé, je fais mes devoirs. Tu sais très bien que j'aime m'amuser. La clim me rafraîchit. Mama. Il est allé au travail. Gift, il a dit qu'elle viendrait plus tard aujourd'hui. On a parlé au téléphone. Elle a l'air gentille. Respectueuse également. Elle est plus âgée que moi, non? Mais elle doit quand même respecter. comment va cette idiote de Damouche? Elle a déjà accouché? C'est son problème. Elle ne va pas accoucher le petit Jésus, pas vrai? S'il te plaît. Hey, maman, comment tu vas? Omalichan Nem. Je ne reviens pas. Je t'aime, mais je ne reviens pas. Je ne reviens pas, s'il te plaît. Attends, doucement. On va doucement. Le chauffeur est là. Viens par là. C'est par là. Doucement, les marches. Doucement. C'est là. Viens, chérie. Doudou. Doudou. Respire, respire, respire. Le conducteur est là. Avance. Désolé. 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 Il est là. Désolé. Désolé, chérie. Désolé. Pose ton pied là. Désolé. Désolé. Désolé, ma chérie. Ça va aller à l'hôpital. Un effort. Il va conduire. Monte. Monte. Vas-y, un effort, c'est bien. Monte, monte, je vais t'aider. Je vais t'aider. Désolé, désolé. Désolé, ma chérie. Démarre cette voiture. Allons-y, allons-y. Comme ça, elle est incapable de supporter l'accouchement. Elle n'a même pas honte. N'importe quoi. Maman, on s'est dit tout à l'heure, je m'en vais aux répétitions de la chorale à l'église. Hein? Tu en es sûre? Viens ici. Non, maman, je dois y aller. Je reviens. Viens d'abord regarder. Oui, je pars d'abord à l'église. Je reviens, j'arrive. Ok, maman. Dieu l'a fait, finalement. Dieu l'a fait. Qu'a-t-il fait? Oui, elle a accouché. Ah, loué soit l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, l'infirmière a dit que je dois ramener les habits de l'enfant. Les quoi? Les habits de l'enfant.
Ah. Oui, oui. C'est ça que tu attends ou sa mère vient avec? Maman, je comprends pas, là. Tu n'es pas avec moi? Quelle douleur. Timo, tu connais mon état de santé. Hein? J'ai des rhumatismes. Je ne peux pas me mettre à me balader maintenant. Hey. Non. Je crois que tu dois appeler sa mère. La douleur est trop grande. Aïe. Ah. Mon fils, je t'assure, j'ai très mal. Ewo. Maman? Oui, ma. Je vais bien, ma. Dieu encore béni. Oui, oui, oui. Elle a accouché. Oui. Il y a une heure à peu près. Ouais. Ah, elle va très bien. Le bébé va bien aussi, ouais, très bien. Ouais, ouais. Gloire à Dieu, maman. Non, je suis pas à l'hôpital maintenant. Je suis venu pour... vendre un peu à la boutique, histoire de voir ce que je peux faire pour payer les factures à l'hôpital. Tu vois un peu? Ouais. Non, 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 je vais bien, t'inquiète pas, juste quelques petites factures. Je vais régler ça, t'inquiète. Y a pas de problème. Ah, tu l'as appelé? Ah, peut-être que son téléphone était éteint en ce moment-là, mais ne t'inquiète pas. Dès que j'arrive à l'hôpital, je veille à ce qu'elle te parle. On attend pour le Mogo. Hein? Oui, maman. Bien. Bien. Pas de problème. T'inquiète pas, elle va te parler. T'inquiète pas. Dès que j'arrive à l'hôpital. Merci pour tes prières, ma. Dieu te bénisse aussi, ma. D'accord, ma. D'accord, à plus tard. Oui, elle va t'appeler. T'inquiète pas. Y a pas de problème. Que la joie de ce nouvel apport demeure permanente dans cette famille au nom puissant. Amen. Je prie que Dieu bénisse cet enfant et fasse d'elle une lumière brillante dans cette famille au nom puissant de Jésus. Amen. Sa vie ne sera que faveur au nom puissant de Jésus. Amen. Elle sera une bénédiction pour sa génération au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous prie de m'excuser, je vais prendre congé de vous. Amen. J'aimerais merci, vous pasteur. Donner un petit quelque chose. Okay, okay. Prenez ceci pour le bébé. Ah, mais pasteur, on ne s'y attendait pas. Merci. Prenez-le, je vous prie. C'est moi merci qui beaucoup. Vous remercie. Yeah. Ma chérie, non, je pense que tu dois le garder. Merci, vraiment. Il n'y a pas que quoi, merci. Merci. Hey, ya. Ah, ah. Dieu est vraiment merveilleux. Hey. Qui l'aurait cru? Hey. Bon après-midi, madame. Hey, Agavuchene. Ma mère à moi. Bon après-midi. D'accord. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Maman, viens là. Allons-y. D'accord. Oublie-la. Viens, on y va. Ah ah, chauffeur, ta voiture ne démarre pas? Hein? Laisse-moi te dire ceci. Hé, hé, hé.
n'amène plus jamais personne ici. Est-ce que tu m'as compris? Si tu amènes encore quelqu'un dans cette concession, tu trouveras malheur. Espèce d'imbécile, dégage ton vieux tas de ferraille. Hé! Elle a carrément pris une voiture pour venir ici. Qu'est-il arrivé aux kékés? Les kékés sont finis? Elle a fait ça pour m'intimider, hein? Non, personne ne peut m'intimider.